Yo les gens, c'est Léon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon centre d'opération mobile. Donc ce centre d'opération mobile, le voilà. Donc, il est chromé sur le devant et le derrière. Il est doté d'une peinture qui s'achète dans le bunker. Donc le bunker, ça coûte à peu près à partir de 1 100 000 jusqu'à près de 2 300 000. Donc moi personnellement j'ai acheté celui-là, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Et vous pouvez acheter des camouflages ici, vous pouvez customiser entièrement le véhicule. Donc on va rentrer à l'intérieur. Le mien n'est pas customisé à fond, mais il a quand même pas mal de fonctionnalités assez cool. Donc quand on rentre dedans, il y a un assez long chargement. J'ai profité du chargement pour vous demander de surtout pas hésiter à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc dès qu'on rentre, on arrive dans cette pièce avec un garage à voiture. Donc voilà, vous pouvez mettre votre voiture à l'intérieur, n'importe quelle voiture. Hi. Ensuite, on se retrouve dans un atelier d'armes. Donc voilà, un petit atelier d'armes où je ferai une vidéo pour vous expliquer comment on peut customiser les armes. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on a le centre de commandement. Parce qu'on peut commander une tourelle qui est dehors. Qui est dehors du véhicule. Et la tourelle se débloque grâce à la recherche. Donc je vais vous montrer. Si vous avez la tourelle mais que vous n'avez pas le centre de commandement, ça sert à rien. Et si vous avez le centre de commandement mais que vous n'avez pas débloqué la tourelle grâce à la recherche, ça sert à rien non plus. Donc la tourelle, ça sert à quoi? Ça sert à ça. Là par exemple, c'est un fail. C'est pas un fail, mais voilà, donc ça sert à exploser voiture, c'est extrêmement puissant. C'est assez dur à viser, c'est assez dur pour viser le viseur. Enfin, pour contrôler le viseur, voilà, j'arrive à le dire. Mais ça fait beaucoup de ravages, donc il est blindé. Voilà, je tiens à le préciser, c'est assez cool, parce que quand la police nous tire dessus, il est complètement blindé. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là je suis aussi tranquille dans mon centre de commandement, enfin, dans mon centre d'opération mobile comme Rockstar l'ont appelé. Donc je vous ai pas montré juste les prix, voilà, de toute façon là j'ai 2 étoiles mais je suis protégé. Donc on va juste se lever et vous montrer les prix. Au niveau des prix, c'est à partir de 1 200 000 il me semble. Donc, voilà, vous allez sur Warstock et vous prenez ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je pense que pour plus tard je vais m'acheter ça. C'est super cher, voilà, ça coûte plus d'1 million d'euros. Juste ça, donc l'atelier d'armes et de véhicules, c'est quand même assez cher le véhicule. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour faire plaisir, voilà, simplement. Et moi je vous dis ciao, bye bye.